Salut les internautes, nous revoilà pour une vidéo un tout petit peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fabriquer un mini boomerang. Pour réaliser cette expérience, vous avez tout d'abord besoin d'une feuille de papier légèrement cartonnée. Si vous n'en possédez pas à la maison, une carte de visite ou un ticket de métro fera parfaitement l'affaire. Vous avez également besoin d'une paire de ciseaux, d'un feutre et d'une latte. À présent que nous avons tout le matériel nécessaire, nous allons commencer par effectuer les mesures. Prenez l'un des coins de la feuille afin de profiter de l'angle droit et dessinez un L de 6 cm de long pour 3 cm de haut. La largeur des ailes doit être de 1 cm. Maintenant que nous avons fait les mesures, il va falloir exécuter le découpage. Une fois le boomerang découpé, vous allez devoir plier légèrement les ailes sur elles-mêmes afin de les courber et d'améliorer la qualité de vol de votre boomerang. Voilà, votre mini boomerang est enfin prêt à partir dans les airs. Pour faire voler votre mini boomerang, commencez par placer l'angle droit sous l'ongle de votre pouce. Et avec votre index, maintenez une pression sur le pouce afin que le boomerang soit bien fixé. Placez horizontalement le boomerang devant vous, il ne vous reste plus qu'à faire une petite pichenette pour le faire décoller. Amusez-vous bien !